les élèves. Alors, ça, c'est la question du jour. On va lire la question ensemble, d'accord? Alors, Mackenzie a 43 bonbons et Genesis a 23 bonbons. Combien est-ce qu'elles ont en tout? Et on lit la question deux fois. Mackenzie a 43 bonbons et Genesis a 23 bonbons. Combien est-ce qu'elles ont en tout? Alors, est-ce que c'est une question d'addition ou soustraction et pourquoi? Addition, soustraction et pourquoi? Nicolas? Ça fait addition dans ce que je dis combien? Combien en tout? Très bien. Combien en tout? Ensuite, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Kirsten? Je dois mettre dans le tableau de valeur. Très bien, je dois représenter quels sont les mots-clés. Quels sont les mots-clés, Genesis? 43. Excellent, 43 et 28. Donc, je dois représenter 43 et 28 dans le tableau de valeur de production. Premièrement, qu'est-ce que je représente, Amelia? Oui, 43. Alors, 4 dizaines. 1, 2, 3, 4. Alors, 10, 20, 30, 40. Excellent. Maintenant, qu'est-ce que je dois représenter? Eva? 28. Alors, 2 dizaines. 20. Donc, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Oh, oh. Oh, oh. Tu as 1 dizaine. Maintenant, combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dizaines. Et combien? 1 unité. Alors, c'est combien en tout, selon le loi? 68. Bravo. Quelle est ma phrase? Qui peut me dire la phrase? Ellie? Elles ont 71 bonbons. Très bien, 71 bonbons en tout. Maintenant, je dois remplir ici. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Genesis? 43, alors 4 dizaines. Et 3 unités plus, oui, 2 dizaines et 8 unités. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Amelia?